Elle est bonne? Monsieur Mademoiselle Pierce. Alors la première. Vous avez raison de signaler. Bipositive. Plusieurs attaques et puis les deux joueurs sont revenus sur le court. Magnifique. Monsieur Mademoiselle Maioli. Ça ne fonctionne pas aussi bien qu'au début de la partie. Et il ne va pas chercher toutes les balles, hein, même si ce coup droit fait. On va voir. Bonne balle, 15-40. Monsieur Mademoiselle Maioli, balle, s'il vous plaît. Première manche, Mademoiselle Maioli. Voilà, en 38 minutes. Première manche pour Iva. Enfin, on a aussi besoin de quelques bonnes premières balles. Voilà, super. Oui, voilà. Et vous allez le voir, si vous rappelez la marque. 6-2, première manche pour Iva Maioli. Marie Pierce a gagné son service. 1-0. Et c'est la Croate qui sert maintenant. Elle était menée 0, mais là, elle s'est bien récupérée. Et elle sert bien. Et à nouveau.
Marie-Pierre. Bien retourné. Bien retourné. C'était bien anticipé, bien vu, mais Maioli. On a beaucoup parlé de son coup droit, mais. Allez, elle doit se battre. Elle n'y va même pas. 5 points sur 2, c'est beaucoup trop peu. Ah, c'était une superbe deuxième balle de service qui lui permet de mener 3 jeux. Couvre un terrain énorme, Marie. Très, très sollicité. Superbe retour. C'est bien servi. Remarquablement servi. C'est comme ça qu'il faut jouer, Marie. C'est extraordinaire. Il faut savoir reconnaître la qualité de jeu. Son match aujourd'hui contre Sugiyama. La japonaise, c'est cela, Sugiyama, en 3-7. Elle ne bouge plus, elle ne se déplace plus, Marie Pierce. Ah oui, mais le public ne sait pas qu'elle a du mal à se déplacer. Elle a perdu le point. Magnifique. Elle est... Pleine ligne. On a vu la marque blanche. Elle est finie. C'est fini. Terminé. Super Viva Maioli qui s'impose sans discussion. On n'a pas eu trop d'émotion dans ce match. Elle était nettement supérieure aujourd'hui. La jeune croate, elle n'a pas encore 18 ans. Et elle embrasse Marie très sportivement. Et elle mérite les applaudissements du public du central de Roland-Garros. Elle est sympa. Ouais. Tout à l'heure, quand il y a eu l'interruption. Elle a fait spectacle aujourd'hui. Il faut le reconnaître, Michel. Elle a été formidable. Elle a joué un tennis de très très grande qualité, malgré l'ambiance, malgré son inexpérience. On va encore regarder ces images parce qu'elles sont belles, il y en a pour quelques secondes. C'est beau, la victoire d'une championne qui n'a pas encore 18 ans.